2024 a déjà démarré et une fois de plus, je vous souhaite encore bonne année. C'est Papa Joël, Papa Nakongosa. Je vais pas faire face caméra parce que je vais aller vite et partager l'opportunité que je suis tombé dessus avec mon équipe, avec vous. Déjà pour commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes ancien, likez la vidéo. Mais si vous êtes nouveau, likez la vidéo. Ok? Mettez en commentaire votre métier. Mettez votre pays, votre ville, votre métier. Et ensuite, si vous n'avez pas encore de CV, écrivez en commentaire besoin de numéro pour CV. On va vous donner les modalités pour CV. OK? On va aller très vite. La vidéo ne va pas être longue. Nous sommes tombés sur cette entreprise, sur ce site où tu vas retrouver tellement d'entreprises qui sont en train de recruter et dans plusieurs domaines. Mon frère et ma soeur, s'il te plaît, n'attends pas. On a fait une virée l'autre jour, je t'ai dit que si tu veux réussir ton projet de 2024, tu dois passer à l'action. Regarde cette vidéo si tu n'as pas encore le CV. Parce que si tu n'as pas le CV, que tu rêves immigrer comme travailleur, ça ne vaut pas la peine. C'est comme si tu partais à la chasse sans avoir l'arme. Tu vas tuer qui? Tuer quoi? Comment? Fais déjà ton CV. Et si tu n'arrives pas à faire dans notre, sur cette chaîne YouTube, il y a comment faire un CV. Et si tu ne sais pas comment faire un CV, tu peux contacter, on va te faire un CV. Bon, on bavarde pas trop. Je suis tombé sur ce site avec mon équipe. C'est emploiresidence.com. Je vais mettre le lien encore en description. Et je suis déjà au niveau des emplois, ok? Le site numéro 1 au Québec d'emploi en résidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font dans les services à l'intérieur, aux maisons. Les maisons, surtout des personnes âgées. OK? Et font dans ce type de service. On va aller où ils travaillent avec des gens qui ont ces centres-là. On va voir la liste des emplois par date depuis le 4 janvier, donc aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce qu'ils sont en train de tourner cette vidéo le 4 janvier. Ils ont posté tout à l'heure. Ils ont besoin de chefs de service de maintenance, des proposés aux bénéficiaires. On a posté hier des techniciens en loisirs. On a posté hier des infirmières. On a posté hier, vous voyez, des préposés aux bénéficiaires. On a posté encore hier des plongeuses, ceux qui savent laver en plongeur, plongeuse. Donc, on a postulé, on a posté hier. Proposer aux bénéficiaires. Donc ça, quand tu vois là, tu vois le nom de l'entreprise qui recrute, ok? Tu vois là le nom de l'entreprise, des infirmiers auxiliaires, des techniques. Donc s'il vous plaît, on va postuler. Ici, je vais postuler pour quelques personnes pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, il est réceptionniste. Des gars postulés. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de boulot là, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de je ne sais pas, qu'ils n'arrivent pas à trouver l'emploi, je ne sais pas comment vous faites, mais les emplois sont disponibles. Ok, on se prend après le jingle, je te montre comment est-ce que tu vas faire pour postuler ici. Allez, on se prend après le jingle. Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien. En introduction, je t'ai montré ce qu'il y a ici, ce qui a bénéficié. D'accord? Ok. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes là, excusez, je suis en train de lire. Donc, nous sommes là. Tu peux rechercher l'emploi, tu peux envoyer ta candidature, tu peux voir les résidences, les maisons, des personnes retraitées qui ont besoin du personnel pour travailler. Donc, partage cette vidéo, partage-la massivement. Like, commente. Moi, c'est Papa Joël, Papa Nakongosa. Avec mon équipe, on s'est donné l'objectif de partager avec vous des opportunités pour 2024 qui vont vous permettre d'immigrer avec un contrat de travail et de résider avec votre famille, pourquoi pas. On va commencer par infirmier. Ça, c'est infirmier, infirmière. Et ça, c'est médic. Or, on clique ici pour voir comment ça se passe. Ok, nous sommes là. Emploi infirmier à Montréal. Voici l'entreprise. Comme je te disais, c'est Medic Or, statut, poste disponible, type contractuel, occasionnel, temps partiel et temps plein. Cas de travail, fin de semaine, horaire flexible, jour, nuit, soir sur appel. Donc, salaire à partir de 90 000 dollars canadiens. Tu peux multiplier pour voir combien ça fait en francs CFA.
Agence numéro 1, dans la province, nous avons un immense choix de cas d'heures de travail, ok? Partout au Québec. D'accord. Tu peux lire. Nous sommes présentement à la recherche d'infirmiers, d'infirmières pour travailler en CH, CHSD et tout ça, dans la région de Montréal, Laval et le Rive Sud. Nous offrons conciliation au travail-famille, un service exceptionnel. Arce, tu peux lire tout ça. Un salaire avantageux, les exigences. Être membre en règle de l'OIQ, expérience dans un poste similaire, un atout, français parlé et écrit. OK? Voilà. Contactez-nous et travaillez dans le bonheur. On clique sur postuler. Vous voyez, c'est simple. C'est très simple. Moi, je mets le nom de Monsieur Gédéon, comme d'habitude. Je viens mettre son CV. Je vous ai toujours dit CV. Mettez le CV en format PDF. Une courte présentation. Si tu as une lettre de motivation, tu peux copier ta lettre de motivation. Tu viens là, tu colles. Tu peux copier ta lettre de motivation. Voilà la lettre de motivation de Monsieur Gédéon. Tu viens ici, tu colles. D'accord? Maintenant, tu dis, je souhaite obtenir de l'aide d'un spécialiste en immigration canadienne. Oui, il faut toujours souhaiter, gars. Il faut toujours souhaiter. Maintenant, je crois que tu dois cliquer sur postuler à ton nom, voir. C'est bon. C'est bon. Mais si votre candidature est envoyée à l'employeur et votre demande d'accompagnement a bien été reçue. C'est bon, on a déjà postulé. Tu viens là, tu peux postuler dans moins 5 entreprises. On a postulé, à moins de 10 minutes, on va postuler dans 5 entreprises pour Monsieur Gédéon. On va continuer, on va rentrer, on va prendre encore. On a pris infirmier, on a d'abord pris c'était qui? On a pris infirmier, c'était le infirmier de Mike Dor. Maintenant, on va prendre. Moi, je prends ceci. Et toi, tu peux prendre n'importe quel. Prends ce qui t'arrange. Tu peux prendre plongeur, plongeuse, préposé au service de table. Donc, à toi de choisir ce que tu veux. Infirmier auxiliaire, infirmier. On a pris bien Mike Dor pour Monsieur Gédéon. On va prendre préposé au bénéficiaire ici parce que c'est presque la même chose ici. On va cliquer. Moi, je vais poster au moins 3 entreprises ici pour lui. Maintenant, à toi de voir comment tu vas gérer. D'accord? Tu peux lire. Tu lis la description. Tu vas jusqu'en bas. Tu lis comment ça se passe. Tu cliques sur postuler. Tu mets toujours ton nom, tes incidents, ton nom, ton prénom, ton adresse email et tu mets ton CV. Tu viens là. Tu mets ta description. Je souhaite obtenir l'aide d'un spécialiste. Je souhaite recevoir par courrier et le mail des emplois sur le site de résidence. Voilà. L'entreprise aussi permet que toi, tu puisses de temps en temps avoir des notifications s'il y a des places disponibles pour l'entreprise. OK? Tu cliques ici. Tu postules. Il faut toujours recevoir l'aide d'un spécialiste en immigration. Vous savez que nous ne sommes ni impossible de contacter le service. Tu vas vérifier votre compte. Voilà. Non, c'est bon. Voilà, deuxième entreprise déjà validée. OK, on continue. Il faut, je t'ai dit postule. Les gens qui disent qu'ils ne trouvent pas d'emploi là, c'est parce que vous n'êtes pas reçu, excusez-moi, mais je dois dire les vérités si on doit avancer entre nous. Je dois vous dire les vérités. Voilà, vous voyez, maintenant il y a infirmière qu'on donne, donc faites le choix. Le lien est dans la description. Faites le choix, vous postulez, vous postulez, vous postulez. OK? Faites le choix, vous postulez. Ça va être très important pour vous. Donc, je crois qu'ici c'est bon. J'ai déjà postulé dans 2 entreprises pour Monsieur Gédéon. Vous avez vu, le reste, je vais postuler Inbox. Et voilà. Et je précise aussi. Je profite aussi ici pour dire, ceux qui ont besoin d'accompagnement, que nous les aidons à poster, comme de postuler, pardon, comme nous sommes en train de faire pour Monsieur Gédéon, écrivez-nous au numéro qui s'affiche pour tout renseignement CV, pour l'accompagnement. On va vous donner la grille tarifaire, on postule pour vous selon votre domaine dans les entreprises qui recrutent. OK? Donc, à vous d'écrire, on fait votre CV, on postule et tout et tout. Voilà mon réceptionniste. Ceux qui disent qu'ils ne trouvent pas là, je sais pas comment vous faites. Vous postulez donc. Écrivez au numéro et on va vous accompagner aussi dans ce programme. Merci. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Bonne année.
Papa na Kongosa, le Kongosa est bon, tout ça. Soutenez-nous, on a besoin du soutien massif pour que la communauté puisse s'agrandir. Et n'oubliez et votre profession aussi, elle est très importante. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, partagez.